بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين مرحبا بكم يا جماعة أفو تفضلي مدام سمية غانم قناة الجزائر نيوز سيد علي حداد بعد 40 سنة من التبعية للمحروقات كيف يمكن اليوم إقرار اقتصاد تنافسي ومتنوع وأنتم تكلمتم في خطابكم أن الخطوات يجب أن تكون مدروسة لكي لا نكرر ممكن أخطاء الأمس ويجب أن تكون جريئة وشجاعة في نفس الوقت طافي une autre question تفضل إسماعيل سعدوني قناة زير تي في أستاذ حداد اليوم المنتدى يراهن على اختصاصات جديدة أو قطاعات جديدة للاستثمار ما هي القطاعات الصناعية الجديدة التي تنصحون أو توجهون الاستثمارات إليها شكرا تفضلي كنت قد سبقت وأن طالبت بإنشاء صندوق للاستثمارات من أجل تسهيل تنمية المؤسسات والتوسيع السريع للقطاع الخاص أين وصل هذا المشروع؟ السلام عليكم جديد الجمهورية فاطمة الزهراء عاشوري من فضلك يعني لقينا في البرنامج مكتيب عن المقترحات اللي قدمها لفسيو للحكومة يعني هل هناك صدى عن هذه المقترحات قريب ولا ما زال قيد المناقشة شكرا une autre question pardon s'il vous plaît madame المقترحات اللي قدمتوها هل ناقشتوها ولا ما زال Parfait. On répond à cinq questions posées. Pour la première, les 40 ans de retard que l'économie nationale a enregistré. Pour moi, je ne conçois pas comme ça les choses. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites pendant les 40 ans passés ou les 53 ans d'indépendance. Nous sommes un pays jeune. Depuis notre arrivée au forum, nous n'arrêtons pas de dire que l'économie doit être libérée. L'article 37 de la Constitution doit être appliqué. Aucune restriction dans n'importe quel domaine d'activité aujourd'hui. Les secteurs où il faut investir, nous avons mis dans le plaidoyer en premier lieu l'agriculture. Et par la suite, il y a d'autres secteurs qui sont porteurs dans notre pays. Regardez ce qui se passe en Europe, par exemple. Chaque pays se développe plus dans des activités qu'il maîtrise et qui sont favorables par rapport à leur pays. Pour nous, il y a trois axes vraiment à développer. La sécurité énergétique, la sécurité alimentaire et la sécurité numérique. À partir de ces trois axes, l'entreprise pourra se développer dans une large vision. Ces trois secteurs peuvent drainer énormément de développement, énormément
d'entreprise et de mobilisation, même de toute la population algérienne. Je m'explique. L'énergie, on n'a pas le droit de dire demain, on n'a pas d'électricité à donner à nos usines, ou bien même à la population. Hier, on a vu, on a rencontré le ministre de l'énergie. Ce secteur, c'est la première fois qu'il rencontre des industriels privés. C'est une rencontre que nous avons énormément appréciée parce que le ministre était disposé et disponible à ouvrir ce secteur à toutes les entreprises, quelles que soient, mécaniques, services ou autres. Et là, c'est une avancée importante pour notre pays concernant le secteur énergétique. L'alimentaire, bien sûr, nous avons un grand pays. Nous avons un pays de 2 millions, presque 400 kilomètres carrés. Et nous avons de l'eau. Nous avons l'une des plus grandes réserves d'eau du monde. Donc, avec cette terre et de l'eau, on peut développer et l'agriculture et l'agriculture industrielle. Et pour le numérique, vous avez vu il y a une dizaine de jours, on a coupé le câble Internet et vous avez vu ce qui s'est passé. On était isolé du monde pendant presque 5 ou 6 jours. Donc, il faut qu'on assure ces trois secteurs. Et si on arrive d'ici 4-5 ans à mettre en place une politique de développement de ces activités, je peux vous dire que l'Algérie réussira son challenge. Concernant le fonds d'investissement, nous sommes à la troisième rencontre, bien sûr en interne, avec bien sûr des experts qui sont en train d'étudier comment mettre en place ce fonds, parce que c'est la première fois qu'une opération de cette envergure se réalise en Algérie. Mais on ne tarde pas à le mettre en place. D'ailleurs, on a rencontré des fonds étrangers. Bien sûr, la commission qui est en train de travailler sur ce dossier a rencontré des fonds étrangers. Ils nous ont dit, si vous mettez 1 milliard de dinars, c'est-à-dire 100 milliards de centimes, nous, on peut venir avec 100 milliards de dinars comme apport. C'est-à-dire 100 milliards de dinars, c'est 1 milliard de dollars de mise en place, qui est un chiffre pour nous, pour la jeunesse, pour l'entreprise jeune, qui est un montant énorme. Je peux vous rassurer que nous sommes en train de très bien avancer sur ce dossier. Pour l'étude de... Je laisse la parole à ces boucliers pour vous dire un mot. Donc, l'étude, en fait, c'est une préoccupation du forum. Donc, c'est la préoccupation de la diversification de l'économie.
Et c'est vrai qu'il y a très peu d'études qui ont été faites sur cet aspect, sur cette question. Donc, l'initiative de réfléchir, en fait, l'étude, c'est une première réflexion, si j'ose dire, ne pouvait être que la bienvenue, d'autant plus que nous traversons actuellement un épisode assez... une conjoncture qui est assez défavorable et qui a au moins le mérite, cette conjoncture défavorable, de poser actuellement, mais vraiment de façon très pertinente et très, très fondée, cette question de la diversification de l'économie. Donc l'étude, c'est une première étude où il s'est agi beaucoup plus de donner un grand diagnostic sur l'économie qui ne soit pas un diagnostic conjoncturel, mais un diagnostic structurel, parce que la diversification, c'est d'abord une dimension structurelle, et en même temps d'avancer quelques propositions, quelques pistes de réflexion qui seront, je pense, en fin de cette journée présentées par le forum. Voilà. Merci, professeur. Je passe la parole à Ibrahim concernant la question de Mukhtarahat que vous avez présentée à la gouvernement. Ibrahim. شكرا سيد الرئيس. ربما ملاحظة حول السؤال حول تنويع الاقتصاد الوطني. تنويع الاقتصاد الوطني هي من الضروريات التي يلح عليها منتدى رؤساء المؤسسات. لا يمكن أن نبقى يعني ننتظر انخفاض وارتفاع أسعار النفط لنتجاوب معه. On n'a plus le temps d'attendre, j'allais dire, les fluctuations du marché pétrolier et réagir en fonction de ça. Nous avons une obligation de diversifier notre économie et aller sur les trois secteurs que nous avons identifiés. Ce n'est pas pour exclure les autres, mais voilà trois secteurs qui sont, de notre avis, prioritaires. Le secteur de l'énergie à travers tous les développements de la pétrochimie. Vous avez vu les chiffres qui ont été donnés par M. Bouclia. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite exporte chaque année quelque chose comme 7 milliards de dollars de produits de pétrochimie. L'Iran, avec l'embargo, il arrive à exporter 1 milliard de dollars. C'est-à-dire déjà, à ce niveau-là, l'Iran exporte l'équivalent, par un seul produit, l'équivalent de ce que nous exportons, nous tous, et il est sous embargo. Ça veut dire qu'il y a nécessité d'aller le plus rapidement vers une diversification, mais une diversification réfléchie, une diversification étudiée. Il ne s'agit pas de répondre comme ça de manière intempestive, mais de manière réfléchie. C'est la raison pour laquelle le Forum des chefs d'entreprise a initié cette étude. En tous les cas, sur toutes les questions cruciales qui concernent l'avenir de notre pays, le Forum des chefs d'entreprise initiera systématiquement des études approfondies menées par des experts algériens, parce que nous avons une expertise locale qui est à même de faire ce genre d'études, et vous avez vu le travail, les conclusions de l'excellent travail de M. Bouclia. Fimeros al-Muqtarahat al-Muqaddama al-Hukuma. Taban, hana muntadaro asa al-Muasset, khunna wa lazina naqul. La yumkin li bilad, li doula an tataqdam, idha ma kanch hunak tahawur. إذا ما كانش هناك نقاش، إذا ما كانش هناك تجاذب، تبادل الأطراف الحديث، تبادل الاقتراحات بين مختلف الهيئات التي تصنع القرار الاقتصادي. Il y a point d'avancer si on n'a pas une concertation entre les acteurs, entre les parties prenantes, ce que les Anglais appellent les stakeholders. Il faut qu'il y ait de la concertation. حنا عندنا واحد المثل في الدار في العامية تاعنا يقول لك كل لسان تحته بركة، كل لسان تحته بركة. فاحنا نقدموا مقترحات. المقترحات قدمت عن طريق البليدوايي، عن طريق البليدوايي اللي ربما الاخوان الصحافه على اطلاع به، وموجود على مستوى لو سيت دو اف سي او، فو بوفي لو فوار، فو بوفي تيليشارجي. اون بارتي دو سي جاي دير دو سي بروبوزيسيون تي تي بريز ان شارج. نو سويتون ان شاء الله اون بريز ان شارج دو موا امبورتونت، او اون غراند بارتي دو سي زيليمون. مي بيرميتي موا دو دير، اي بور ريبوندير سو سكو ديزي البريزيدون، جي تيرمين بار سا، اون ا بيزوان دون فيزيون lointaine, d'une vision à moyen, voire à long terme pour ce pays, une vision économique. Et c'est la raison pour laquelle nous appelons de tous nos cœurs à avoir un plan Algérie émergente à l'horizon 2030. Merci, M. le Président. Merci, Ibrahim. 5 autres questions. Atteindre la croissance de 5%. Aujourd'hui, l'argent rentre
Deuxième question. Tfaddal. Très bien. Bonjour. Vous avez beaucoup insisté sur l'importance de la concertation entre les différentes institutions, différents organismes économiques, mais je n'ai pas entendu le volet formation de personnel qui constitue la base de développement de toute économie. Si cette formation n'est pas évoquée dans votre programme, je ne peux pas attendre grand-chose. Première question, j'aimerais revenir sur le dernier produit que vous avez lancé. Est-ce qu'il y a des échos, des répercussions positives ou négatives depuis le lancement de ce produit algérien? Merci. Le label, voilà, c'est ça. C'est à toi de... Fadli, madame. On vous entend pas, s'il vous plaît. Appuyez bien sur votre voilà. بالنسبة للدراسة اللي قام منتدى رؤساء المؤسسات بإعدادها هناك نقطة متعلقة بإنشاء عدد كبير من المؤسسات المتوسطة والصغرى يعني كيف يمكن هذه المؤسسات أنها تتطور وتكمل يعني الطريق تاعها نحو يعني النجاح في حين لا يوجد قانون يعني يتكفل ب بالآخر بالإنتاج تاعها إنه الدولة تتكفل هي تتكفل بصرف هذا الإنتاج تاعها يعني إنتاج المؤسسات الصغيرة. في المؤسسات في القانون الأمريكي في تاع المؤسسات المتوسطة والصغيرة هناك قانون باللي الدولة حين تنتج المؤسسة الصغيرة والمتوسطة المنتوج تاعها هي تكفل بالنصف بتوزيع هذا الإنتاج. حنا المشكل تاع المؤسسات الصغرى تاعنا أنها تنتج والإنتاج تاعها يبقى يعني لا يباع ولا تفضل. السلام عليكم. سيد علي حداد، يوم أمس لما تلقيت وزير الطاقة قلت بأنه لازم نفتحوا المجالات أمام الخواص. السؤال هو هل اليوم الدولة عندها إرادة باش تفتح هذه القطاعات أمام الخواص، مثلا قطاع الدفاع أو قطاعات أخرى البعض يشوفها حساسة؟ سؤال ثاني، الوزير الأول في لما خرج إلى بليدة يعني غلق الديبا حول قضية 49 51 القاعدة هذه، مي لا كيسيون سو بوز توجور يعني سواء هنا في الداخل أو في الخارج. تروازيام كيسيون سي علي حداد، هذه سنة وانتم على رأس المنتدى، في هذه السنة كاين ناس انتقدوكم، كاين ناس حتى خافوا منكم وشفنا مجموعة 19 مؤخرا. واش يعني لافسي قبل حداد والآن كيفاش تشوفوها؟ Parfait. Pour la merci à tous. Pour la première question, je laisse Sibouklia parce qu'il est interpellé directement répondre. Fadal Sibouklia. شكرا سيدي الرئيس. En fait, je voulais dire que la question de la diversification, c'est une question importante. Ce n'est pas quelque chose qui se décide où là, il ne suffit pas de se réunir ou là de faire passer un décret. C'est une question structurelle qui est la résultante d'un fonctionnement de l'économie pendant des décennies. Et donc, la question de la diversification, j'ai dit que c'était un challenge. Si on prend même les pays à travers le monde, les pays pétroliers à travers le monde, peu de pays sont arrivés à se diversifier.
C'est vrai qu'ils n'ont pas le niveau de concentration de notre pays, mais peu de pays, même la Norvège, qui est parfois prise en exemple, n'est pas un pays qui est totalement diversifié. La part dans le PIB de ces hydrocarbures est encore une part qui est extrêmement importante. En fait, les deux expériences réussies que nous connaissons de diversification, ils sont au nombre de deux. C'est l'Indonésie et le Mexique qui ont réussi réellement leur processus de diversification. Et donc, c'est pour ça qu'il fallait quand même mettre l'accent sur cette difficulté de pouvoir transformer une économie de façon à diversifier ses sources de croissance. Cela dit, 8% de croissance pour une industrie, ce n'est pas quelque chose d'irréalisable. J'ai pas donné ces chiffres pour dire que c'est impossible à réaliser. Au contraire, il y a des pays devant nous, des pays voisins, tout à fait voisins devant nous, qui ont réussi ce pari. Pour ne pas citer le Maroc ou la Tunisie, qui ont réussi pendant 20 ans à avoir un taux de croissance d'exportation manufacturière à deux chiffres. Donc plus entre 15 et 20% pendant 20 ans, ils ont réussi à maintenir cette tendance des exportations hors hydrocarbures. Donc du fait que nous partons d'une base d'exportation qui n'est pas importante, tout de suite nous pouvons atteindre des taux de croissance extrêmement élevés. C'est facile de doubler. Qu'est-ce que c'est que doubler les exportations hors hydrocarbures? C'est passer de 1,5 milliard à 3 milliards. Tout à l'heure, vous avez bien dit que parfois, investir dans un créneau particulier peut ramener 2-3 fois ce chiffre. Donc vous voyez que tout de suite, on peut réaliser des taux de croissance, des exportations extrêmement intéressantes et qui puissent initier le processus de diversification. Donc ce n'est pas quelque chose d'impossible, mais il faut une politique, il faut une concertation, il faut un consensus, il faut une implication de l'ensemble des parties prenantes sur une vision, sur un programme de diversification. Et c'est ça qui discrimine justement entre les pays qui réussissent et les pays qui ne réussissent pas. Merci, professeur. Pour la deuxième question, je laisse Saleh répondre. Pour qu'est devenu le FCE un peu en une année, mais surtout le travail des commissions. Alors, le FCE aujourd'hui, c'est plus de 1500 entreprises. Et le FCE est fort aujourd'hui, est fort par ses convictions, mais il est surtout fort par la confiance que lui manifeste quotidiennement des centaines d'entreprises et qui continuent à arriver toutes les semaines. Nous avons des nouvelles entreprises. C'est aussi Gilles FCE qui, en quelques heures, 1000 manifestations d'intérêt, près de 200 membres aujourd'hui, jeunes entreprises qui nous ont rejoints. C'est ce que constitue la force du FCE aujourd'hui. Sur le travail, donc la structuration de ces commissions sectorielles. Les commissions, et le président l'a redit à plusieurs reprises, le plaidoyer du FCE, c'est le travail de plus de 200 chefs d'entreprise. Donc plus de 20 commissions, 28 que compte le FCE aujourd'hui, qui ont contribué à ce travail de mesures urgentes à mettre en place rapidement pour sortir notre économie des difficultés actuelles. Pour donner des exemples maintenant de travaux qui ont été effectués par des commissions. Je commencerai par la commission qui a travaillé avec le ministère de l'Industrie. Aujourd'hui, premier problème bureaucratique autour du foncier a été levé par aujourd'hui la dissolution des CalPIREF et le passage à une prise en charge beaucoup plus rapide du traitement du dossier du foncier entre M. Loueli et le directeur de l'industrie et des mines de la Wilaya. Et nous espérons une accélération aujourd'hui de la prise en charge de ce problème de foncier qui, je vous le rappelle, est l'un des premiers problèmes qui bloque aujourd'hui l'investissement. Le deuxième point, ça a été de dire, OK, on règle le problème administratif, mais maintenant, la disponibilité pose problème. C'est aussi l'ouverture d'un dossier où aujourd'hui le privé peut investir dans des parcs industriels. Et le FCE a été à l'origine de cette demande qui est aujourd'hui en train d'être concrétisée sur le terrain où on pourra aller beaucoup plus vite avec des véritables parcs industriels modernes. Le deuxième point, deuxième commission, le ministère de l'Agriculture. Nous avons travaillé en termes de commission, mais surtout la sous-commission lait. Et vous savez que le problème du lait a été un problème d'actualité. Et cette commission a abouti vers un résultat peut-être qui n'est pas encore
le meilleur qu'on espère, mais avec une augmentation des subventions pour les éleveurs et pour les éleveurs aujourd'hui de 2 dinars, enfin 4 dinars partagés entre l'État et les collecteurs, mais également avec d'autres dispositifs d'aide à cette filière qui nous a coûté très cher à monter et qu'on ne peut pas abandonner aujourd'hui parce qu'il y a un enjeu en face de plus d'un milliard de poudres de lait importées. Le troisième exemple également de commission, c'est avec le ministère de l'Habitat. Vous avez bien remarqué qu'aujourd'hui, dans le cadre du programme de construction, que ce soit de logements ou d'infrastructures, la production nationale, les produits nationaux aujourd'hui, on a pu aujourd'hui les rendre obligatoires au niveau des cahiers des charges et surtout au niveau des entreprises qui ont réussi à décrocher ces marchés-là. Je peux vous citer encore énormément de commissions, la commission santé qui a travaillé avec le ministère de la Santé aujourd'hui et qui a pu élargir la liste des produits et des médicaments donc interdits à l'importation qui sont fabriqués localement. Et aujourd'hui, des pistes de travail très importantes avec le ministère des TIC aujourd'hui, le MPTIC aujourd'hui, pour une plus grande ouverture du marché et l'insertion de nouvelles entreprises, de start-up dans cette chaîne de valeur qu'on compte construire dans le cadre des MPTIC. Voilà quelques exemples, Président. Merci. Merci Salah. Pour la troisième et quatrième question, je laisse Professeur Brahim répondre. Merci Monsieur le Président. Juste à Mziane, lorsqu'on dit 8%, il s'agit de 8% de croissance dans l'industrie, hein, pas 8% dans l'économie nationale. C'est vrai, il y a une nuance. Hein. Et 8% de croissance d'industrie, c'est vraiment à la portée de l'Algérie. Hein. Avec tout le potentiel que nous avons, si on ne peut pas faire 8% d'industrie, bah, ma foi, ça serait encore plus grave pour nous. Ceci dit, on parle de la diversification. Donc il y a aussi d'autres ouvertures. Moi, je dis qu'aujourd'hui, s'il y a un secteur à privilégier, c'est le secteur du numérique. Nous avons du potentiel, nous pouvons aller très vite et la croissance est rapide. Le secteur de l'agriculture, vous savez, les dernières années, les meilleurs taux de croissance ont été enregistrés dans le secteur de l'agriculture. Mais c'est vrai que ça veut dire que le travail, beaucoup de travail reste à faire pour atteindre 8% sur une période assez longue, sur au moins 5 ans. C'est un travail qu'il faudrait faire. Souhait, la question de la formation. J'aimerais vous rassurer, monsieur, vous lisez le plaidoyer du FCE. Toute une partie est consacrée au développement des compétences nationales. Il est improbable, il est impossible de développer une nation sans développer les compétences nationales. Il y a des modèles de développement qui sont basés essentiellement sur la ressource humaine. Lorsque vous regardez la Corée, lorsque vous regardez le Japon, vous allez trouver que tout le modèle de développement est basé sur les compétences de l'individu, de l'être humain. Donc, c'est très critique la question de la formation, mais la formation à tous les niveaux. Et pour preuve, la première sortie et la première commission, ou l'une des toutes premières commissions qui a été installée, c'est la commission formation professionnelle avec le ministère de la formation professionnelle. Et je pense que là, Mme Haddad, qui préside du côté du FCE, cette commission est là. Nous avons déjà commencé à travailler avec le ministère de la formation professionnelle sur les questions de nomenclature, sur notre contribution à faire en sorte que le programme réponde aux besoins de l'entreprise. Et nous venons également d'installer la commission avec l'enseignement supérieur. Et avec l'enseignement supérieur, on a abordé des questions, par exemple, comme la formation supérieure en alternance, qui est un modèle très développé en Europe, particulièrement en Allemagne, aujourd'hui même en France et aux États-Unis. Donc, je vous rassure, de ce côté-là, le FCE considère la formation comme une priorité absolue. Et je rajouterai, dans le cadre du GILE FCE, pour rebondir sur ce que disait mon ami Salah, c'est qu'au niveau du GILE FCE, donc pour les jeunes entrepreneurs, nous avons déjà commencé à travailler sur cette question de formation à travers ce que nous appelons les afterwork. Une première thématique a été traitée sur la création d'entreprises. Le 26 novembre, on a une autre thématique sur le recrutement, sur le choix des collaborateurs. Un travail de fond est en train de se faire à ce niveau-là. Sur le label Basma Jazaïria, empreinte algérienne, le forum des chefs d'entreprise, soyons clairs, qu'est-ce qu'il veut à travers ça? Mais il veut à travers ça faire en sorte que le produit algérien soit connu, soit reconnu. Aujourd'hui, lorsque vous allez sur le marché, il y a beaucoup de produits algériens qui ne sont pas identifiés en tant que tels. D'ailleurs, l'étude a divulgué que, par exemple, un produit, c'est pas pour le faire de la pub au producteur, Vénus, le déodorant Vénus, les gens, lorsqu'on leur posait la question, est-ce un produit algérien ou pas, 98% répondaient que ce n'était pas un produit algérien. Alors que produit Ablida.
Et donc, notre objectif, c'est quoi? C'est déjà d'arriver à donner aux consommateurs cette possibilité d'identifier le produit local, le produit qui est fabriqué localement. Pourquoi? Parce que nous voulons mettre en place une stratégie consommant nationale. On a fait des campagnes, c'est bien de faire des campagnes, mais ce n'est pas suffisant. Lorsque vous regardez ce qui se passe dans les pays les plus libéraux, les États-Unis d'Amérique, des dizaines et des dizaines de labels Made in America, Product of America, Americana, Beled Liberalia, on privilégie le produit national. Donc, nous avons dit que nous avons un touche au Jazeera. وعندها منتجات مقبولة في عدة ميادين، ميادين الصناعات الغذائية، الحليب ومشتقاته، مثلا لا سيراميك. اجوردي اون ايتون تران دامبورتي دو لا سيراميك دو لاسبان دو ليتالي، اي نو زافون دو لا بون سيراميك دو لا تري بون سيراميك لوكال. دونك حنا نو فولون كو لو برودوي ناسيونال سوا ايدونتيفي، اي تو سو كي سون اون تران دو سيلفي كونتر سا، سي باسكو ايل ديفون دي لوبي دو لامبورتاسيون. تو سامبلومون. نو ديفوندون لو برودوي ناسيونال qui crée de la valeur en Algérie, qui crée les emplois en Algérie. Nous voulons que le consommateur algérien participe au développement de son pays. Voilà l'objectif du label, Monsieur le Président. Merci, Ibrahim. Je veux juste rajouter à CMZN pour le rassurer. Je donne un exemple. Le ciment, on importe encore entre 20 et 25% jusqu'à maintenant. Et nous comptons devenir exportateur vers 2018-2019. C'est-à-dire l'Algérie, depuis l'indépendance, on a toujours eu un manque de ce matériau. Et 2017-2018, on passera à l'exporter. Ça, c'est après beaucoup d'efforts. C'est après beaucoup d'investissements. Et il y en a énormément de secteurs qui sont de cette situation. C'est que l'Algérie, les industriels algériens ont réalisé et sont en train de réaliser énormément d'investissements. Que l'Algérie, bien sûr, que tous ces investissements seront fructifiés dans les années à venir. C'est-à-dire au plus tard 2017, 2018, 2019. Donc je peux vous rassurer, Simzian, que les 7-8% sont facilement à notre portée. Pour la dernière question, est-ce que Doulet Ftah Kita Difa ou Taka de Kita Difa? Nous, on l'a déjà évoqué. Ce n'est pas un tabou. Dans ce secteur, peut-être 15-20% qui représentent l'armement. Le reste, c'est un soutien, tel que la tenue, tel que la chaussure, tel que le véhicule. Tous ces moyens représentent 80%. Ils sont à la portée des industriels algériens. On peut satisfaire leurs demandes. Et c'est une demande énorme. Dans l'énergie, hier, avec le ministre de l'énergie, la rencontre qu'on avait tenue, vous savez, il y a 4 milliards de dollars d'importation de pièces de rechange. Ces 4 milliards de dollars, je peux vous dire que c'est énorme. Et ce n'est pas des pièces hyper sophistiquées qui ne peuvent pas être fabriquées en Algérie. On peut les fabriquer. Il y a des gens capables. Il suffit juste de les soutenir, de les encourager, de leur mettre à disposition les moyens, le terrain industriel en premier lieu, et je peux vous dire que l'Algérien est capable de relever le défi à ce niveau-là. Maintenant, le 51-49, c'est une loi. Cette loi, nous, on ne peut pas et on ne pourra jamais la violer. On la respecte comme elle est. Mais ce n'est pas un obstacle. On a déjà
évoquer ce problème-là. Et pour nous, c'est pas du tout un obstacle parce qu'il y a beaucoup de partenariats qui se font. D'ailleurs, la semaine passée, il y avait toute la diaspora algérienne en France qui est venue, qui veulent développer des activités malgré avec le 51-49. Donc il y a beaucoup de gens qui viennent, il y a beaucoup d'entreprises qui nous sollicitent. D'ailleurs, vous voyez qu'on ne s'arrête pas. On a un volume de travail énorme. Et la semaine prochaine, fin du mois, on compte faire un voyage aux États-Unis. Le week-end, nous sommes invités à Atlantic Consul qui se tiendra à Istanbul. Nous sommes vraiment sollicités. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup à faire dans ce pays. Vous avez parlé de... Vous voulez avoir mes sentiments et mon opinion sur les 19, sur le courrier des 19, c'est ça ? Je ne sais pas ce que je dois vous répondre politiquement ou je dois vous répondre sincèrement. Alors, moi, je vais vous répondre sincèrement. Comme j'ai l'habitude de le faire, même si on continue à casser les yeux sur mon dos ou sur ma tête. Je m'en fous. Pour l'Algérie, je le ferai et je le ferai tout le temps. L'essentiel, que l'Algérie vaincra. Pour moi, ce n'est pas un événement. Je ne peux pas vous dire plus que cela, du moment que tout citoyen, كل جزائري عنده الحق باش يكتب لأي جهة. Après, c'est à l'institution de juger utile de répondre ou de ne pas répondre. On passe aux 5 autres questions. Tu peux partir, Brahim. 5 autres questions et on clôture, Inch'Allah. Ouais, vas-y. Faites-les, madame. Si, il vous a répondu. Bien sûr, on soutient. Bien sûr, l'État doit se tenir. Bien sûr, d'ailleurs, par le biais de l'ONSEJ, il y a un soutien. Le code des marchés qui prévoit la réservation d'un certain pourcentage de la commande publique pour les PME. Exactement. Il y a les 25% aussi de préférence nationale, ça c'est un soutien. Vous avez déjà posé la question. Allez-y, mais rapidement. Une seule. D'accord, merci. Faddal. Algérien, que les investisseurs algériens seront en mesure de pouvoir y investir. Vous évoquez les 4 milliards de dollars seulement pour la pièce de rechange, alors qu'il y a d'autres secteurs et d'autres domaines dans ce secteur qui peuvent attirer l'expertise, la finance et tout ce qui apporte un investisseur. La question qui se pose, est-ce que vous plaidez pour les membres du Forum des chefs d'entreprise ? La deuxième question, c'est que, on l'a dit dans la salle tout à l'heure, on a les plus beaux textes de loi, mais ce qui fait défaut, c'est leur application sur le terrain.
Vous avez le secteur des mines, il est ouvert. Mais en fait, on demande à celui qui veut investir de faire la prospection, d'investir. Et le jour où il découvre qu'un site est exploitable, il le remet au ministère et c'est au plus offrant. Donc, il risque d'investir de l'argent. Est-ce qu'aujourd'hui, vous tenez compte, et on a parlé du climat des affaires, est-ce que, Monsieur le Président, est-ce que votre organisation, les entrepreneurs algériens, parce qu'on parle entrepreneurs de progrès, est-ce qu'aujourd'hui, il y a chez vous une stratégie qui fera bousculer, exploser, imploser ce climat des affaires qui semble sclérosé, qui semble fermé? Merci. Je pense que personne ne veut... Fadli, madame. Monsieur Haddad, nous voyons que Yissaad Rabrab est غايب على المنتدى رؤساء المؤسسات وحتى المؤسسات العموميه كانوا نطلبها العام السنه الماضيه الوزير الاول باش تنضم للمنتدى لكن الى اليوم لغايه اليوم ما نشوف ولا مؤسسه ولا يسعد رباب حاضر هل هذا يعني ان هؤلاء الاشخاص راهم ضد تواجدكم على راس منتدى رؤساء المؤسسات والسؤال الثاني هناك من يقول بانه يعني تركيزكم على فتح مكاتب جهويه بمختلف الولايات هو بمثابه تحضير لتاسيس حزب سياسي ما ردكم شكرا Parfait, merci. Le domaine automobile, il y a des membres, il y a des adhérents qui sont impliqués avec des partenaires étrangers pour la création et l'investissement dans ce secteur. Donc je peux vous rassurer que aux adhérents, nous avons pas moins de 7 investisseurs qui vont réaliser des usines d'automobiles, camions, il y en a toutes. Mais pour vous donner plus de clarté, je laisserai par la suite M. Bailly vous donner quelques chiffres. Pour la pétrochimie et toute la pièce qu'on peut produire en Algérie, le service concernant les 4 milliards de dollars que le secteur d'énergie dépense en devise forte, je peux vous dire que la rencontre d'hier était fructifiante avec le ministre de l'Énergie. C'est la première fois qu'on a entendu un ministre de l'Énergie ouvert. Pour moi, j'ai visité ce ministère 5-6 fois par le passé et je peux vous dire que j'étais rassuré par son engagement à impliquer le secteur privé dans l'investissement, toutes sortes d'activités. Entre autres, il nous a même invités à faire des investissements dans les très grands projets tels que la pétrochimie ou le raffinage et même l'exploration en amont. Donc c'est des gens maintenant qui sont ouverts parce qu'ils ont senti le besoin. Tout seuls, ils pourront absolument rien faire et c'est pour cela que ils se sont passé le mot d'ordre que le développement par l'entreprise privée est plus que nécessaire. Concernant les textes de loi
sur les acquisitions, sur le développement de l'entreprise. Je peux vous dire aujourd'hui la volonté du gouvernement, le gouvernement du Premier ministre jusqu'au... passant par le ministre de l'Industrie ou le ministre de l'Agriculture et d'autres, le ministre du Commerce, tout le monde est conscient que le développement de notre économie passe par l'entreprise privée. Je laisse Beyré répondre, donner quelques éclaircissements sur l'automobile et je reviendrai vers la... Cette première réunion tenue, organisée au ministère par M. Youssoufi et dont la presse en a fait un large écho. Je pense que la rencontre qu'ils ont tenue à ce moment-là n'était pas précise. C'était une rencontre formelle. Ce que nous avons fait hier, c'est une rencontre entre l'investisseur et l'État. Extraordinaire qu'on a vu que les capacités existent. On peut parler sur le freinage, sur le câble, sur le câblage, sur les faisceaux électriques. Il y a beaucoup de choses maintenant qu'on commence à avoir des remontées d'informations et ça fait partie du travail de la commission et les membres, nos membres du FCE. Y compris maintenant, la rencontre qu'on va tenir au mois de début décembre, c'est justement pour carrément avancer sur la certification avec les constructeurs et en même temps pour éventuellement les investisseurs de le partenariat entre Algériens et Algériens et éventuellement peut-être pour certaines entreprises, partenariats étrangers et Algériens. Voilà globalement, mais c'est un chantier qui avance très bien, c'est un chantier lent. Il est très complexe pour y aller dans la pièce de rechange parce que là, on démarre pratiquement de zéro. On est en train de reprendre aussi les anciens qui ont acquis une certaine expérience par le biais de la SMVI avec qui on travaille et on collabore. Mais le résultat pour la sous-traitance, il faut attendre justement pour l'année 2016, mais à chaque mois ou chaque semestre, trimestre, on vous communiquera beaucoup plus de l'avancement et en même temps pour la certification. Parce que la plupart des constructeurs exigent aux sous-traitants que ça soit certifié. Là, on a fait une rencontre avec les certificateurs et en même temps concernant le label Algérie pour éventuellement développer, pouvoir exporter pour le constructeur et pour le producteur futur ici en Algérie. Merci Mohamed. Je vais passer la parole à Saleh, vous dire un mot sur les énergies renouvelables. Un complément d'information par rapport à notre rencontre avec le ministère de l'Énergie. Aujourd'hui, les autorités publiques ont décidé d'un plan d'énergie renouvelable qui devrait couvrir un tiers de notre consommation électrique à l'horizon 2030. Nous, ce qu'on recherche à travers ces rencontres, c'est d'avoir de la visibilité pour les investisseurs et pour les entreprises. Ce plan de charge des entreprises existantes, des entreprises qui peuvent se monter, peuvent prendre en charge ce type de plan. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pourquoi laisser ça uniquement pour les adresser à des entreprises étrangères? Nos entreprises aujourd'hui, si elles connaissent la stratégie, si elles ont le détail des plans d'action de ce que le gouvernement et surtout les deux plus gros donneurs d'ordre qui sont Sonatrach et Sonalgaz peuvent avoir de la visibilité, peuvent développer leurs entreprises et les adapter à ces nouvelles exigences, mais d'autres investisseurs peuvent aussi créer de nouvelles entreprises
pour pallier et pour prendre en charge ce type de plan. C'est à ça que sert la visibilité que veut donner le FCE à ses entreprises, et c'est à ça que servent aussi ces comités, ces commissions qui travaillent quotidiennement. C'est dans la mise en œuvre et le maintien de cette relation avec les donneurs d'ordre, les autorités publiques et les entreprises. Merci Salah. Je veux bien passer la parole à un jeune entrepreneur, le président de GIL FCE. Vous donner quelques chiffres. Oui, merci Monsieur le Président. Alors c'est la diversification économique, mais c'est aussi utile aujourd'hui de préciser que c'est aussi la diversification générationnelle, puisque depuis 2 mois seulement, le GIL FCE existe. Alors il compte aujourd'hui plus de 200 membres. On s'était fixé l'objectif d'accueillir une centaine de membres par mois. On est pleinement dedans. Je pense que d'ici la fin de l'année, on sera un peu plus de 300. En tout cas, on a même été un peu surpris par l'enthousiasme que ça génère auprès des jeunes, que ce soit des jeunes chefs d'entreprise ou des jeunes futurs chefs d'entreprise, puisque c'est un point important pour nous. Donc je disais, d'ici la fin de l'année, on sera 300, mais qu'importe le nombre, c'est surtout ce que ça génère. C'est-à-dire qu'au sein de GIL FCE, qui est une partie totalement intégrée du FCE, il y a une dynamique qui est en train de se créer, puisqu'il y a des affaires qui se font déjà entre membres. Il y a aussi des liens avec des écoles, des universités. Et je profite de l'occasion qui m'est donnée pour dire que le début décembre, on organisera une demi-journée un peu dans ce format-là, où GIL FCE soulignera trois modes d'entrepreneuriat pour dire que la conscience d'entreprise, ce n'est pas juste un chef d'entreprise, une société. Donc on parlera d'entrepreneuriat économique, on parlera d'entrepreneuriat citoyen et aussi d'entrepreneuriat culturel. Donc vous le verrez, j'espère que vous serez nombreux, il y aura plusieurs centaines de jeunes dans plusieurs wilayas et dans tous les domaines pour montrer cette nouvelle impulsion qui est d'imaginer des nouveaux leviers à partir d'une génération qui incarnera les prochains leaders de notre économie, Inch'Allah. Merci Toufiq. Pour la dernière question de madame, bien sûr je vous réponds sincèrement, Habiba Maître Al-Qishrouhak. Le forum, avant que je sois président, il y avait 140, 150 adhérents. Aujourd'hui, nous enregistrons 800 adhérents. En jeunes, nous avons plus de 200 au jour d'aujourd'hui. Et ça fait que un mois et 12 et 15, et 16 jours qu'on a lancé ce GIL FCE. On était à 20 milliards de dollars, on est passé à presque 35 milliards de dollars. On était à 200 000 employés, on est à 350 000 employés. C'est-à-dire, le forum, qu'on le veuille ou non, il a changé. Le forum a évolué. Le forum aujourd'hui est connu. Le forum aujourd'hui est ouvert. Il est ouvert à toutes les entreprises, à tous les industriels, à toute la population algérienne. Concernant les gens qui veulent venir, qui ne veulent pas venir, et ils trouvent leurs intérêts, ils ne trouvent pas leurs intérêts, nous sommes au service d'un ensemble. On n'est pas au service de quelques personnes. Nous sommes au service d'un ensemble. Nous réagissons à un ensemble. Nous soutenons des idées de la majorité. Li Jamal Hababi, li Majesh, Inch'Allah Hidji. Alors, je le répète en arabe, bien sûr, nous le ferons, pas uniquement en Algérie, mais on l'a déjà fait aux Émirats, à Dubaï, en France, à Paris, en Angleterre, à Londres, et puis en Espagne, à Madrid. Et nous continuons à le faire à travers le monde entier. Où est-ce qu'on peut implanter un bureau, on le fera. Maintenant,